allumée. Regarde. Ah. Tu fais comme ça, avec une allumée. Ah oui, d'accord, tu fais tous les autres. Tu fais tous les autres, ah, ben. Tu ne te poses pas les doigts. Voilà. Ah, pour ne pas prendre le feu. Le feu, oui. 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 Et attends, je vais faire. Je vais enlever les. Est-ce que tu peux aller un tout petit peu? Tu peux t'appuyer comme ça. Peut-être ici. Voilà. Vous voyez, hein? Très bien. Oui. Oui. Et derrière, un peu. Voilà. La tête levée. Oui. La tête. Oui. Oui. Parfait. Avec Hugo, on n'est jamais habillé. On est toujours un peu habillé, beaucoup déshabillé. J'ai raison ou pas? Oui. Parfait. Très bien. Le problème, c'est que on peut y venir, mais on ne peut pas partir. C'est une photo que je fais à Cologne, dans la rue. Enfin, ce n'est pas vraiment la rue, parce que c'est une bâtisse qui était au rez-de-chaussée, comme ça, et les piliers étaient comme ça. Et les enfants, ils jouaient en contre-jour. Et cette photo, elle a 50 ans. Ah bah, elle a plus. Elle a plus. Ah bah oui, j'avais 15 ans. Enfin, non, 19 ans. Et donc j'ai gagné avec un prix qui est très très important en Allemagne. Et là... À Cologne, en 62. 62, et c'est la dernière fois où j'avais une cravate. Mon père, il voulait absolument que je fasse un métier, et il voulait que je devienne, je sais pas, comptable ou n'importe quoi. Et donc, j'ai trouvé donc un magasin qui faisait, qui avait aussi un studio, qui faisait des photos passeport, etc. Et aussi des photos pour la presse, du sport. Il y avait des ministres qui arrivaient à l'aéroport, etc. Donc j'ai fait ça. Et alors, j'ai arrêté pratiquement avec le... Le numérique? Oui. Donc, ça veut dire 2005 ou 2006. Ces photos-là...
Je les ai dans un sac poubelle parce que je voulais les jeter, parce que j'en ai tellement. Et j'ai laissé un endroit où, qui était humide. Ils ont été comme ça. Voilà. Et ça. En fait, tu as fait un effet spécial directement dans un sac. Ouais. Voilà. Pas besoin de passer par Photoshop. C'est des choses que je essaye de vendre dans une galerie à Paris. Et voilà. Voir si c'est des photos qui sont uniques, voilà, tous. C'est difficile de les combiner, hein, c'est... Mais là, j'en ai un, deux, trois, quatre encore. Regarde. Ça colle un peu. C'était les premières photos. Oui. Le catalogue. '68, '69, c'est ce que je t'avais dit. Voilà. Et ça c'est... 80, ça c'est 82. Mais c'est encore plus. Il y en a plein, enfin. Il y a aussi le. Ouais, la taille du truc. Regarde. Les vêtements. Les lunettes. T'as des photos mythiques sur les lunettes. Hein. Ah oui. C'est la première fille noire pour un catalogue que Charles Bergeron. Marana. C'est un truc. C'est... Oui, c'est ça. Ah, c'est... Ça, c'est pas mal aussi. Hein. On y va. Mm-hmm. C'est bien toujours quand tu te penches un peu. Hein. Bon, on va essayer. Ça, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas, ça devrait être plus souple, tu vois. C'est... Laisse-les tomber, enfin presque, voilà, comme ça, oui, ouais, ça c'est bien. La jambe droite, voilà. Un peu plus souriant. Oui. Le livre, il est trop droit. Ce, voilà. Comme ça. Oui, là. Comme ça te convient. Oui. Oui. Oui, souriant. Hein. Mets le pied par terre. Ah, ça c'est bien aussi, là, comme ça, quand tu te planches, comme ça. Oui. Et la main, la droite, elle, voilà, tu te. Sur ma coude. Oui. Comme ça. Oui.
Moi, la c'est... reine. Il faut que ça. Vos disciples. Voilà. Essayez. Assieds-toi. C'est pas mal. Il ne faut pas que ça me fasse de grosses cuisses. Hein. Ça, j'ai compris. Ah, mais je peux faire. Oui. Et les genoux, tu les mets un tout petit peu comme ça. Voilà, voilà, voilà. Oui. La main. La main. Et tu caches le sein avec la main. Oui, oh, comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et ça, tu t'appuies comme ça. Ta main, elle est. Voilà. Là, super. Tu peux même comme ça. C'est bien comme ça. Oui. Très belle. Oui, souris, les dents. souris un tout petit peu. Oui, très bien. La tête de l'autre côté. Oui, bien, parfait. J'ai travaillé avec Ouve dans les années 80, vers 83-85. J'ai fait la première couverture de sa série de bouquins qu'il avait fait, Black Ladies. Donc voilà, et c'était accompagné des poèmes de Léopold Sédar Senghor, qui était jadis le président du Sénégal. donc voilà, c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Je suis très admiratif de son travail. Maman, c'est sénégalaise et papa breton. Hé hé, Finistère Sud, voyons. Je suis une bigoudaine. C'est un casse-tête pour trier tout ça? Ah bah, imagine. Et tu cherches quelque chose, parce qu'il y a vraiment des très très belles photos que je n'ai jamais utilisé, tu vois, il y a des trucs. Ça, tu vois, des tonnes de trucs. Voilà. C'est « Do it yourself ». Là aussi, tu vois, il y a toujours le fil. Ah, ça, c'est la série sur l'Islande. Ouais. Ça fait partie d'une exposition ? Non, c'était un calendrier aussi. Tu fais une très grande série, hein. Oui. Et encore, ici, il n'y a pas tout. Ça, c'est Marana. La fille que tu as vue tout à l'heure. C'est en Inde, ça. Oui. Ah, et celle-là. Oui. C'est Jourdain, oui. Aussi. Non. C'était... Donc, on faisait une photo pour un calendrier anglais, et on était. Donc, j'ai proposé d'aller à Los Angeles
il y avait le mannequin qui était dans l'eau, derrière, peut-être 10 mètres après, il y avait l'assistant avec un bâton sur lequel on avait mis le poisson. Il se mettait sous l'eau. Et puis, le client qui était au cela, il était à 5 mètres plus loin. Il avait un seau avec de l'eau et il versait de l'eau. Et donc, il y avait les splashes de l'eau. Et entre-temps, il fallait que l'assistant était sous l'eau quand il ait fait ça. S'il était trop tôt, il ne pouvait plus. Tu le voyais, quoi. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était du trucage à la prise de vue. Oui, ça c'est formidable. On ne pourrait plus faire ça maintenant. Avec Photoshop, ça serait trop facile. Ah oui, ben oui. D'ailleurs, les gens les disent, mais c'est fait Photoshop. Peut-être que tu peux mettre la main comme ça, t'appuyer ainsi, non? Il n'y a pas de bête là? Non. Non. Très bien. Oui. 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 Oh là là! Il n'y a pas de bête. Non, non, non. En arrière. En arrière. Oui, mais appuie. Ah, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de bête. Non. Ça, c'est trop. C'est trop, je ne vois plus. Oui, oui, oui. C'est bien. Oui. Ça, c'est la première photo de Blake Regillis. C'est Léopold Sédar, son beurre, qui a fait l'introduction. Et il a mis aussi les poèmes, ces poèmes qui sont là. Ça, c'était le premier que ta chaîne a fait aussi, mais avec une couverture différente.
Bon, alors viens ici. Oui, mais laquelle? Oui, mais je veux juste voir qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on te longe sur le billard? En plus, je ne me suis jamais allongée dans un billard. C'est... Voilà, oui, ça c'est bien. Voilà. Parfait. Oui. Tu prends un peu plus ça. Là, comme ça. Non, non, non. Comme ça. Oui. Oui, peut-être comme... Oui, 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 la tête, oui, là, là, ça c'est bien, parfait, bouge pas, oui, le visage, oui, la couleur, elle est complètement délavée, oui, alors, sur toutes les pages, il doit y avoir le pneu. Ah, le pneu, tu vois? Ah oui. Tu vois? Ça, c'est le pneu de l'année. Eh oui. C'est-à-dire que on a failli de ne pas faire le calendrier parce que le pneu n'était pas encore en vente. Fabriqué? Oui, ou fabriqué. Donc, Et là, le pneu, il est sur elle, oui. Ouais. Regarde ça. Oui. Celui-là, j'aime bien. Enfin... Ah, c'est marrant, ça, on dirait des collines. Oui, ouais. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Oui, c'est ce que je disais, moi. Ça, et là, c'est le filet, quoi. Oui, c'est, ah, c'est oui. La même. Et ça, tu vois? Ah, oui. Ah, bah ça aussi. Alors, ça, c'était incroyable. Et la fille, on a l'impression que c'est son ombre. Oui. Alors qu'en fait, c'est oui. Pas son ombre. Quoi. Alors, oui. Voilà. C'est merveilleux, ces photographies. Remontre-moi ces jolies paires de fesses de l'autre côté, là. Non, celle-là, mais retourne-là, cette photo-là. Il y a quatre jolies paires de fesses, là. Regarde si c'est beau, ça. Elles sont jolies, ces filles. Ouais. Oui, enfin... Enfin quoi?